Et on revient cette fois-ci pour un tout nouveau vlog critique numéro 7. Numéro 8 qui sera sur Alice. Et là, je vous promets, c'est vraiment le numéro 8. Je me trompe depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Voilà. Et donc, je me mets à critiquer la saison 8 et 9 de Dotto. La saison 8 qui a été un vrai désastre. Pourquoi c'est un désastre? Je vais vous raconter tout de suite. Alors, la saison 8 de Dotto a été un désastre parce qu'ils ont fait un docteur beaucoup trop sombre. Sombre, pas drôle, méchant, cruel, sans pitié. J'ai déjà dit pas drôle, je crois, oui. Et sincèrement, cette saison 8 a été assez décevante. Le premier épisode, je me suis endormi devant. Le deuxième, un petit peu aussi. Les autres, je me rappelle même plus des épisodes. À part le tout dernier épisode, qui lui par contre m'a carrément scotché et qui n'est pas en deux parties comme les autres saisons, enfin sauf la 6, sauf la 7. Ouais, bon voilà, donc il y a eu que la 5 qui a fait en deux parties. Et là, cette fois, c'était très mal fait. Clara arrive à trouver un petit ami et meurt au dernier épisode. Clara, qui est trop amoureuse, trahit le docteur. Et bien sûr, c'est Clara qui s'y fait avoir en essayant de trahir le docteur. Et bien sûr, bon, il va l'aider à retrouver Danny Pink, qui s'appelle. Je connais pas le nom de l'acteur, parce que sincèrement, je m'en foutais de lui, sincèrement. Et qui meurt à la fin, donc il devient Cyberman, et il arrive à sauver le monde à lui tout seul. Et on a, à la fin de la saison 8, par contre, c'est pour ça que j'ai aimé la fin, le retour du maître en personne. régénéré en femme qui s'appelle Missy. J'aurais aimé voir le vrai maître. C'est pas juste. J'ai plus de ma main. Et là, dernier épisode. Enfin, même pas. Non. Les deux derniers épisodes sont en deux parties. Oui, je me rappelle. Et à la fin de la première partie, elle fait... tu sais pas que je suis docteur, mais qui êtes-vous? Le contraire de maîtresse. Je peux pas m'appeler le maître, n'est-ce pas? Et là, il comprend que c'est lui. Et là, sincèrement, et quand elle dit ça et qu'il y a eu le gros à suivre... Oh putain, je suis plutôt pété un câble devant ma télé. La télé, elle a failli voler. Sur le coup, ouais. Ouais. Et voilà. Tiens, moumouche, c'est dégueulasse. J'aime pas les insectes. Et donc, sa saison 8 a été extrêmement décevante. J'ai tellement rien à dire dessus que je fais une critique rapide, donc vous voyez. Et ensuite arriva la saison 9. Waouh, là, après une saison 8 plutôt décevante. Là, faut dire qu'ensuite il y a eu l'épisode spécial Noël de la saison 8, en hommage au film Alien. Super, les mecs. Non, mais sincèrement, super. Génial. Le spécial Noël a rattrapé la saison 8. Facile. Et ensuite, quand tu arrives à la saison 9, déjà la planète d'origine des Daleks, l'origine de Scarrow. La planète des Daleks. L'origine du seigneur des Daleks, celui d'Avros, ses origines. Donc le docteur perd son tenue sonique en fin de saison 9 et le remplace par des lunettes de soleil sonique. Donc des fois il arrive comme ça, il émet genre yeah! Genre les experts Miami quoi. Donc il va falloir arrêter le gros délire. Ça, pas du tout, là. Là, je me suis dit, bon, voilà. Dès la première fois où il a fait ça, mais ça, maintenant, on va dans le TARDIS. Yeah! C'est bon, allez, vas-y, ferme ta gueule. Et le retour du maître dans l'épisode 1 et 2, et qu'en fait, on sait même pas du tout si le maître est mort. Donc, résultat, on sait même pas s'il va revenir. Clara, qui a changé, qui a le même caractère que le docteur. Clara est devenue le docteur, tant qu'elle a le caractère genre... je m'en fous si je crève, je m'en bats les couilles, moi je cours comme je veux. Depuis la mort de Danny, depuis la mort de son petit ami, il faut dire, tiens par exemple, tu as le maître qui arrive devant elle et qui fait,
Bon, et ton petit ami alors? Toujours aussi mort, hein? Il a fait. Ouais. Toujours avec le sourire comme ça. Ouais. La meuf, elle s'en bat les couilles. Solide comme du roc. Plus solide qu'elle, tu trouves pas. Je sais pas. Ça marchait pas. Là, dès les premières images, donc, elle enseigne à l'école. Et ensuite, ils font, ah, on a eu un appel de unit. Carrément. Elle saute ses cours pour aller chez unit. Directement, il y a un problème, elle est appelée chez unit. Eh ben putain, ça c'est de la meuf ça. Il y a aussi un épisode réalisé comme ça. Vous savez, genre, je sais pas comment ça s'appelle. Filmé comme du projet X, comme Paranormal Activity, genre par exemple comme ça, par exemple, vous savez, caméra à épaule. Bien sûr, évidemment, par exemple, quand par exemple le docteur parle, imaginez par exemple que je suis l'un des figurants, et bien l'un des figurants porte une caméra à épaule sur lui et il filme les mouvements, etc. Donc ça veut dire que quand il court, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, oups, mais tiens, voilà. C'est vrai que je me suis dit, c'était plutôt pas mal. Tiens, j'aime bien cet angle de la caméra, pas mal. Je me suis dit, c'était plutôt pas mal. Sincèrement, c'était un épisode assez banal, mais c'était pas mal aussi. La première partie de la saison 9, les deux premiers épisodes sont en deux parties. Ensuite, l'épisode 3 et 4 en deux parties. 5, 6 en deux parties, 7, 8 en deux parties. Et ensuite, 9, 10, pas grand-chose. Le 10, la mort de Clara. Je m'attendais à une mort plutôt badass. Elle est morte juste parce qu'elle a voulu essayer de faire comme le docteur. Et ben, l'épisode 11, qui était une vraie merde à chier. Ouais, je me suis endormi devant, je me suis même énervé. Et l'épisode 12 où le docteur revient à Gallifrey. Maman! C'était marrant ça! Putain, c'était bon! Et. Ah, j'ai la tête parabolique. Et là, sincèrement, c'était plutôt pas mal. Le dernier épisode était trop bien! Ah oui, il durait plus d'une heure, comme j'aime. Et sincèrement, oula, attends. Voilà, donc je ne sais plus où j'en étais. Alors oui, donc j'ai changé d'angle parce que si vous voulez, donc j'ai ma caméra qui est tombée en panne de batterie. Et là, je suis donc assis, mais en fait, carrément, je suis sur mon bureau. Voilà. Et j'ai profité de cette... Enfin, j'ai mis en pause ma caméra pour aller chercher aussi un petit peu de coca. Placement de produit pour Coca-Cola. Malgré que je n'achète jamais la marque Coca-Cola, ça coûte trop cher. Ah, je préfère aller chez Lidl. Tous ces placements de produits que je fais, je vais me faire choper moi. Je plaisante. Ouais, je parie que vous préférez la qualité de tout à l'heure. T'inquiète pas, je vais y remédier à ça après. Et oula, ouais. Et donc pour terminer cette critique, sincèrement, la saison 9 m'a plutôt scotché. À la fin, on voit River Song revenir dans un épisode spécial Noël. Et qui est donc, comme je disais dans le vlog critique numéro 4, qu'en réalité, la River Song qu'on voit dans la saison 4, c'est celle qui était dans la saison 9. Donc, voilà, donc mettez-la où vous voulez dans l'ordre chronologique. Et ça me fait plaisir de revoir River Song, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revu. Et voir Peter Capaldi et River Song tous les deux. On voyait, attends, River Song, elle a joué aux côtés de David Tennant. Matt Smith, et vous n'allez même pas la faire jouer aux côtés de Peter Capaldi. C'est ça, oui. Heureusement que nous les fans, on a intervenu. Attendez, j'ai même signé une pétition pour qu'elle revienne. À ce qui paraît, c'était prévu. Parce que dans la saison 4, elle a le tournevis sonique du docteur. Donc techniquement, voilà quoi. Et à la fin de la saison 9, il a un tout nouveau tournevis sonique. Magnifique. Et voilà. Et un avis rapide sur la saison 10. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fans, enfin même pas du tout de fans, qui disent donc la nouvelle compagne, elle s'appelle Billy, et la nouvelle compagne du docteur est noire. C'est une noire, elle est black.
Pourquoi ça vous pose problème? Sincèrement, que sa compagne, elle est noire? Dans la saison 3, Martha Jones, jouée par Frima Agewan, elle est black. Vous avez rien dit? C'est quoi ce racisme? Non, parce que sur YouTube, ils ont sorti un thriller de la saison 10, enfin un extrait, où on voyait sa nouvelle compagne. Et sur l'un des commentaires, j'ai vu, ah oh, ça y est, c'est Noir qui joue. Doctor Who, ça va trop loin. Quand par exemple je dis que je veux pas que Elsa soit lesbienne, c'est que j'ai mes raisons. Enfin, j'ai mes raisons parce que le truc c'est que pour moi Disney va trop loin. Et Disney c'est pour les enfants. Doctor Who c'est même pas pour les enfants. Et regarde, il y a des blagues sur la saison 6 sur l'homosexualité. Sur la saison 7, il y a deux lesbiennes qui sont mariées, elles le disent plusieurs fois en plus, et elles assument. Et oui, et j'ai rien dit, parce que c'est pas visé pour les gosses. Et maintenant, ils ont un problème par rapport aux blacks. Parce que critiquer les homos et les lesbiennes, c'est une chose, critiquer les blacks, c'en est une autre. Être raciste, c'est une autre chose. Après, bon, je dis ça, je dis rien, mais bon. J'ai juste critiqué rapidement les saisons, je voulais pas trop spoiler. Et pour être sincère, Doctor Who est une super saison. Je dis une connerie, est une super série que je conseille à tous fortement. Si seulement cette série serait beaucoup plus célèbre que ça, elle aurait le droit à beaucoup plus de budget, serait beaucoup plus évoluée dans ses effets spéciaux. Sincèrement, allez voir cette série. Beaucoup disent, ah mais j'ai pas accroché à la série parce que j'ai vu la saison 1. Commencez enfin saison 2, début saison 3, vous allez voir, vous allez vraiment accrocher. Je vous dis tout de suite. Et c'est ma vidéo la plus longue, voilà. Ou pas du tout, on sait pas. Bon. Donc, je vous donne rendez-vous donc pour le 8e vlog critique sur Alice de l'autre côté du miroir. D'ici là, donc, je vous souhaite d'aller voir des films, des séries. Éclatez-vous, allez au cinéma. Restez chez vous, regardez la télé, enfin. Non, regardez pas la télé, collectionnez les DVD, c'est mieux. Et je vous dis à plus tard pour le 8e vlog critique et le 9e vlog critique qui est déjà prévu. Et je vous dis pas encore pour quel film, vous le saurez dans le 8e vlog. Voilà. Donc je vous dis bye bye.